Nous commençons notre cérémonie par un temps de prière présidé par le révérend Marek Sislek avec la participation des délégués de la promo. Nous allons commencer notre célébration par une prière afin que Dieu bénisse la promo 2022. Je vous demande de faire silence. Entrant dans le silence d'une présence, celle du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour. Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour. Lui qui fait les cieux avec sagesse, éternel est son amour. Qui a fermé la terre sur les eaux, éternel est son amour. Alléluia, 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 alléluia. Lui qui a fait les grands luminaires, éternel est son amour. Le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour. La lune et les étoiles sur la nuit, éternel est son amour. Alléluia, 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 alléluia. À toute chair, il donne le pain. Éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu du ciel. Éternel est son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous nous levons pour acclamer l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant
Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nos parents qui nous ont toujours guidés, qui nous ont toujours aidés à nous relever après un obstacle, qui nous ont inculqué des valeurs morales, qui nous ont soutenus, quelles que soient nos décisions, qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes et qui seront toujours à nos côtés. Seigneur, nous te prions. To our caring teachers, our dedicated principal, our distinguished rector, our supporting supervisors, and last but surely not least, the entire nurturing educational team. Thank you for allowing us to grow and blossom under your wing in the grace of the Lord. We ask of you, Almighty Father, to guide our educators in their vocation and give them the courage and strength to rise above all challenges through the intercession of our blessed Mother Mary of Jamhur and Christ, our first teacher. We pray to you, Lord. أيها الرب الإله، احمي بلدنا لبنان من عنفي وشر الآخرين. احفظه بمأمن من أسلحة الكراهية والدمار. أعطه زمن الهدوء والسلام. ألهم شعبه قوة الانتصار بالرغم من الحزن والأسى. فلنجعل التسامح أكبر مراتب قوتنا وليبقى لبناننا وطن الرسالة والجمال. إليك يا رب نصلي. La promo 2022, pour qu'elle puisse rester unie et solidaire, qu'elle puisse transmettre les valeurs reçues durant toutes les années au Collège Notre-Dame de Jamhur, et surtout, qu'elle puisse contribuer à rendre le monde meilleur. Seigneur Jésus, éclaire nos pensées et guide-nous vers le bon chemin, celui de la foi et de la ressuscite. Seigneur, nous te prions. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous clôturons ce temps de prière par une procession des délégués, de tous les délégués de la promo 2022 qui rendent grâce à Notre-Dame de Jamhur. Nous te saluons.
Révérend Père recteur, révérend Père, chers parents, chers éducateurs, chers élèves de la promo 2022. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille ce soir au sein de notre grande maison familiale pour célébrer la remise des diplômes aux élèves de la promo 2022. C'est un moment qui nous réunit, nous tous, communauté éducative, parents et élèves, pour célébrer avec joie et avec fierté, mais non sans nostalgie, la remise des prix aux élèves de la promo 2022. Chers parents, notre mission prend fin ce soir. Vos enfants nous quittent avec un bagage académique, certes, mais surtout, je l'espère au moins, avec de grandes valeurs telles la citoyenneté, la spiritualité et l'humanisme. Chers élèves de la promo 2022, vous attendez depuis longtemps ce moment qui va vous permettre de franchir le seuil vers l'autonomie, vers l'indépendance et vers la liberté. Je peux vous dire, ne craignez pas cette transition. Vous avez tous les outils de la compréhension et du savoir pour faire face à toutes les complexités du monde auquel vous êtes appelés à vivre dedans. En parallèle, c'est à vous de continuer pour le moment votre chemin, avec beaucoup de courage, mais j'espère sans oublier les valeurs de notre collège, notamment la gratitude, le respect et la loyauté. Chers élèves, avec votre grande éducation, en tant qu'élève de Jamhour, croyez-moi, vous n'avez pas un destin à subir, vous avez un bel avenir à construire. Merci de nous avoir accordé ce moment de joie. Promo 2022, vous méritez nos félicitations et nos applaudissements. La jeune fille que je présente a le goût des disciplines artistiques et sportives. Elle est sereine, mais en même temps dynamique. Elle est cartésienne et en même temps poétique. J'invite Stéphanie Samaha à venir prononcer le discours de promo. Révérend Père recteur et vice-recteur, Madame le Préfet, chers enseignants, chers accompagnateurs pédagogiques, chers parents et amis de la promotion 2022, une question m'interpelle. Quel est votre stylo préféré? Je suis consciente de la difficulté de cette interrogation. Comment choisir, parmi tous ces objets anodins, celui qui dictera nos vies? Celui qui tracera le sentier de notre existence? Jusqu'alors, nous empruntions tous le même crayon. Écrivions notre histoire avec la même encre. Jusqu'alors, nous orientions tous la barre du gouvernail de notre navire dans la même direction. Mais à partir d'aujourd'hui, tout change. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour saluer les valeurs inculquées par le collège qui nous a bercés depuis notre tendre jeunesse et qui a fait de nous les individus que nous sommes aujourd'hui. Hier encore, nous nous réveillons à l'aube de peur de rater l'autocar. Tenue complète du collège, cartable à roulettes, chaussures bleu marine ou noire, nous faisions nos premiers pas dans cette institution. Là, s'esquissaient les premiers sourires, naissaient les premières amitiés.
Prenez place, les premiers repas à la cantine, les répétitions de chorale à midi 10, les spectacles de fin d'année. Hier en chœur, nous étions insouciants. Nous rêvions d'être grands. Toutefois, nous nous sommes rendus compte que l'âge est un rocher âpre à gravir. Une main samaritaine nous a alors assurés, celle de notre solidarité, mais aussi celle des adultes qui nous ont guidés et aidés à nous surpasser. Aujourd'hui, nous y voilà. Aujourd'hui, nous avons achevé notre périple sur la colline malgré les tempêtes et les orages qui ont fait tanguer notre navire. Aujourd'hui, la vie nous incite à nous embarquer pour de nouveaux horizons. C'est un appel qu'il ne faut surtout pas manquer. C'est le début de notre quête, d'un voyage pour lequel on nous a bien préparés. Oui, cette confiance, nous la devons à nos professeurs, ainsi qu'à notre collège, qui nous ont transmis une formation unique, puisqu'elle comprend tous les outils nécessaires à la réussite, au dépassement de soi et au bonheur. C'est pas fini. Aujourd'hui s'annonce la fin d'un premier chapitre. La page est donc tournée. Nous sommes à présent les maîtres de notre avenir. Nous détenons la liberté de choisir l'instrument avec lequel nous allons rédiger nos histoires, l'encre qui va nous inspirer et les mots qui vont nous pousser à avancer. Demain, nous nous retrouverons. Nous nous serrerons les mains. Nous reviendrons à l'époque où régnait la simplicité et les étourderies, où nous faisions des grimaces lors des photos de classe, nos mains tachées d'encre et nos mémoires imprégnées de curiosité. Malgré la fuite inéluctable du temps et sous nos regards aux cernes apparents, se ravivera l'encre évanescente de notre passage dans ces couloirs, dans ces salles de classe où nos noms ont été jadis inscrits, gravés dans l'histoire d'une communauté qui nous a élevés. Toutes les belles histoires ont une fin. Néanmoins, la fin de la terminale n'est qu'un tremplin vers l'avenir. Savourons alors ces derniers instants. Emportons avec nous l'image des tableaux verts, la poudre de craie blanche, le son des gouttes de pluie perlant sur les vitres des salles d'examen, les rires de nos camarades qui résonnent dans le couloir du silence, mais surtout les leçons qui nous ont façonnés tout au long de notre parcours. La cloche a sonné. Les aiguilles de la montre avancent. Il est temps de saisir l'instant présent pour aller de l'avant. Merci à tous. En reconnaissance au père recteur, les délégués, les porte-parole de la promo 2022 lui remettent la plaque souvenir portant l'écusson de leur logo. J'invite le père recteur à nous rejoindre. Donc, pour le choix du logo, nous avons choisi en tant que promo le phénix parce qu'il est le symbole de la Renaissance. Nous avons voulu cette cérémonie et nous l'avons voulu
une cérémonie de réconciliation et de joie. Contrairement à ce que peut-être certains pensent, cette démarche n'est pas d'aujourd'hui. Peut-être, les élèves et quelques parents ont commencé à comprendre lundi dernier, quand on a invité les élèves à célébrer ensemble la messe, parce que s'il y a un lieu véritable d'une réconciliation véritable, c'est vraiment la messe. D'abord, je dois dire merci aux élèves qui étaient tous présents. Ils ont joué le jeu. Au moins, ils l'ont cru, parce qu'on a passé par des moments pas faciles, ou peut-être ils ont perdu confiance. Ils ont cru, eux et leurs parents, que ce méchant père recteur allait leur couper la tête. Le problème, qu'il est capable de le faire, mais très peu de parents et d'élèves ont tout de suite compris qu'il n'allait jamais le faire. Mais cela ne peut pas être dit à midi le 11 avril, et vous comprenez pourquoi. Cela peut être dit à la fin. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que vous allez comprendre tout ce parcours que j'ai comparé à vraiment un enfantement. C'était un enfantement de promotion. Cette image, qui est une image philosophique très chère à Socrate, l'image de l'enfantement, a été notre démarche. Elle n'a pas été facile. Elle était pleine de malcompréhension et même par moments de haine et même peut-être de méchanceté. Il y a eu par moments des blessures, mais cela ne nous a pas empêchés à toujours viser plus loin. Peut-être certaines personnes ce soir ne comprennent pas beaucoup. Et peut-être il y a des personnes, et notamment ceux qui ne sont pas présentes avec nous, qui n'ont pas peut-être compris, ils sont un peu fâchés, ils trouvent que la position du collège est ambiguë, parfois on hausse trop le ton, on écrit des lettres dignes d'un empereur, comme certains parents ont dit. Je les remercie de m'avoir accordé des titres extraordinaires. Je pense que c'était amusant à la limite, mais ce n'est pas grave. Certains éducateurs ne sont pas malheureusement ce soir avec nous, et personnellement, je suis quelque part touché par leur absence. Ils ont voulu vous dire, et je tiens à être leur voix, qu'ils ne sont pas d'accord, peut-être ils sont fâchés, et peut-être ils éprouvent une certaine ingratitude dans une année des plus difficiles. Vraiment, l'événement du 11 avril au collège a été la cerise sur le gâteau. Une année peut-être historique dans l'histoire de notre institution. Des difficultés à n'en plus finir, économiques, scolaires, sanitaires, politiques. Et c'était la dernière partie de l'année qui était la plus dure. Je pense que ce soir, cette histoire est derrière nous. Et comme j'ai demandé aux élèves, certains ont écrit des lettres, pas mal. D'autres, ils ont fait du copy-paste, mais on le savait. Il faut se poser la question et dire, qu'est-ce qu'on a appris de ce moment de tension maximale ? Et c'est sûr que vous avez vu que cette fois, on a adopté
une stratégie de tension permanente. J'allais dire une tension sans fin, jusqu'à la date du lundi et peut-être jusqu'à ce soir. Et je pense à partir de ce soir, on peut jeter un coup d'œil sur tout ce parcours qu'on a fait ensemble et peut-être on va commencer à comprendre. Dans tous les cas, ce soir, je tiens à remercier de tout cœur les personnes qui ont porté cette responsabilité avec moi. En premier lieu, bien sûr, Madame Chebli. Je pense que Madame Chebli, pendant 2 mois et demi, je n'exagère pas, je pense qu'elle n'a pas bien dormi, pour ne pas dire autre chose. Elle était sur ses nerfs, elle ne savait pas quoi faire, par moments elle se sentait coupable, en même temps ce sont ses enfants, mais ce qui a été fait était inadmissible, elle vivait cette contradiction depuis le 11 avril. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe, c'est difficile de les énumérer, toutes les personnes, tous les éducateurs et les personnes qui ont rendu cette cérémonie possible. Mais j'ai à dire un mot quand même un peu particulier à cette équipe qui nous a aidés à traverser cette tempête. Je voudrais dire de tout cœur toute ma reconnaissance au comité des parents, je tiens à clarifier devant tout le monde que le comité des parents au collège Notre-Dame de Jamhour n'a jamais été le comité du père recteur, contrairement à ce que vous pensez. On a souvent eu des désaccords. Ils ont été, chaque membre a été votre voix. Mais il y avait quelque chose vraiment d'extraordinaire dans notre relation. En pleine tension, nous étions dans une réunion des plus difficiles. Ils étaient en train de défendre les élèves, malgré tout. Mais en même temps, ils croyaient et ils avaient confiance dans le collège et dans sa direction. Ils n'ont pas douté un instant que le collège finira par faire ce qui est bien et ce qui est bon pour chaque élève. Et je pense que le collège ne les a pas déçus. Je tiens aussi à dire mes remerciements pour quelques parents que j'ai rencontrés après la crise et qui ont exprimé leur reconnaissance, leur confiance. Et je dois dire et faire une petite confession, maintenant c'est le moment de le dire. J'ai été bouleversé par quelques familles qui ont eu l'humilité de me supplier de considérer l'unité de la promotion. Je ne pouvais pas au moment même leur montrer mon accord total avec eux parce que j'avais la responsabilité de maintenir l'attention jusqu'au bout pour arriver et pour toucher le but. Et je crois tout simplement que nous avons touché le but. Il y a un détail qui m'a attiré l'attention, je ne sais plus quel délégué en priant, il a prié pour le collège et il a mentionné le mot « valeur du collège ». Et Madame Chebli vient de faire un discours, et dans le discours, elle a parlé des valeurs du collège. Je ne vais pas ce soir les énumérer, ne vous en faites pas. Mais je voudrais dire, et peut-être mes paroles s'adressent aux absents, à la tête des valeurs du collège, il y a la valeur suprême et évangélique de la réconciliation. La réconciliation et le pardon font partie de nos valeurs, contrairement à ce que certains pensent. Mais permettez-moi d'ajouter que le pardon et la réconciliation qui ne sont pas à leur place
sont dangereux. Ça serait une réconciliation à la libanaise, dans l'impunité totale, si on l'accorde n'importe comment. Regardez, chers amis, ce qui se passe dans notre pays, où règne l'impunité totale. Le pays est par terre. Ses institutions n'existent plus. Sa justice, oublions. Le système politique, désuet. On se pose tous la question, est-ce que vous croyez que nous sommes très contents de voir la majorité d'entre vous quitter le pays? Je n'ose pas avancer le chiffre cette année. Je dois me taire. Ça nous fait du mal à vous voir désespérés. Ça nous fait du mal à vous voir perdu tout espoir dans votre pays, dans votre identité. Il ne fallait pas attendre Mayas Group à San Francisco pour être de nouveau fier d'être Libanais. Ça m'écœure cette histoire. Vous êtes censé être fier de votre pays et fier de votre collège malgré tout ce qui se passe. Ne croyez pas, chers amis, je vous ai dit ça lors de l'indépendance, ne croyez pas qu'ailleurs c'est meilleur. Faites attention, surtout dans le contexte actuel. Vous n'êtes pas sans savoir et sans voir ce qui se passe dans le monde avec la guerre en Ukraine. Cette guerre risque d'entraîner tout le monde dans une guerre économique et même militaire. Et ça va vous affecter là où vous serez, aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en France, en Angleterre. Le monde est secoué. Et pourquoi il est secoué? Parce que le monde a attrapé le virus libanais. Le monde est rongé par la haine. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je vous parle ce soir de la réconciliation? Parce que la haine, c'est le mal endémique de notre communauté. S'il y a un danger réel qui nous guette tous, qui guette notre pays, c'est cette haine qui existe entre les communautés, entre les familles, entre les partis, entre les religions et même au sein même des communautés. Cette haine est le danger du pays. Et si vous voulez qu'on donne un autre exemple, vous êtes tous invités à considérer la réconciliation qu'on célèbre ce soir. Je dois vous dire que dans les années à venir, on va commencer bientôt, l'accent au collège va être mis sur la dimension éthique, communautaire et sociale. Au collège, on a une maladie qui n'existe pas ailleurs. Voilà le paradoxe. On souffre d'un surplus, d'un excellé, d'excellence académique. Ce n'est plus une matière de fierté pour nous. Franchement, ça ne me dit absolument rien de vous dire que vous êtes admis dans les meilleures universités du monde. Et c'est le cas. Ça ne me dit absolument d'annoncer vos résultats au bac, vous allez cartonner, c'est sûr. Mais ce qui est important ce soir et ce qui doit être notre préoccupation dans les années à venir, c'est comment aider nos jeunes à entrer dans une mentalité de transparence, d'éthique, de service, pour vraiment aller à l'encontre de ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, au Liban, ça fait 2-3 ans, on n'entend que des gens dénoncer la corruption. Mais je n'entends que des discours, je ne vois pas de faits. Le collège a la responsabilité de former la jeunesse à l'action plus qu'au discours, pour que nos jeunes, pour qu'ils soient au service de leur communauté et au service de l'humain, là où ils seront. J'annonce dès ce soir que l'année prochaine, il y aura, et ça peut-être pour rassurer surtout nos éducateurs, on va introduire le profil, ou si vous voulez l'index
éthique et communautaire à l'école. Il fera partie du bulletin et de toutes les recommandations qui vont sortir de l'école. La dimension éthique sera vraiment au centre de ce que nous allons faire. Je répète et je dis, je suis sûr que parmi vous, il y aura des gens, des élèves, des hommes et des femmes excellents sur le plan professionnel. Mais on souhaite voir des hommes et des femmes qui vont vraiment œuvrer à changer le monde dans l'œuvre de tous les jours, à apporter quelque chose de neuf, de nouveau, surtout dans leur pays. À toute la promotion, à chaque élève, ceux qui sont encore peut-être pas convaincus, ceux qui sont convaincus à moitié et ceux qui ne sont pas convaincus du tout. Je leur dis, qui aime bien, châtie bien, c'est à apprendre. Je répète, qui aime bien, châtie bien. Pour vraiment comprendre ce parcours qu'on vient de faire, pensez à cette dernière parole que je vous laisse. Toutes mes félicitations à vous, à vos parents, aux éducateurs et à l'ensemble de la famille du Collège Notre-Dame de Jamhour. Se dépasser et viser l'excellence ont toujours été au cœur de notre pédagogie. Pour cela, on ne peut que féliciter nos élèves qui se sont démarqués sur le plan académique, à savoir les premiers et secondes de classe. J'ai la joie de décerner les prix d'excellence par classe. On commence par la terminale 1. Premier prix d'excellence, Ghassan Aboud. Second prix d'excellence, Marc Abou Abdallah. Terminal 2. Premier prix d'excellence, Sherbel Jbeili. Second prix d'excellence, Roger Karam. Terminal 3. Premier prix d'excellence, Paul Houayek. Second prix d'excellence, Marie-Claire Karam. Terminal 4. Premier prix d'excellence, Teresa Ferrali. Deuxième prix d'excellence, Marc Abinader. Terminal 5. Premier prix d'excellence, Sophia Habib.
second prix d'excellence, Sacha Yari. Terminal 6. Premier prix d'excellence, Marianne Sade Rahmé. Second prix d'excellence, Émile Louis. Terminal 7. Premier prix d'excellence, Anthony Sochon. Second prix d'excellence, Dimitri Basile. Est long. Terminal 8, premier prix d'excellence, Hassan Abdallah. Chachabi ya Hassan. Second prix d'excellence, Léana Haïbé. Terminal 9. Premier prix d'excellence, Maria Cheblé. Second prix d'excellence, Chloé Gergé. Terminal 10, premier prix d'excellence, Teresa Hende. Second prix d'excellence,
second prix d'excellence, Yasmina Urbez. Et maintenant, le moment est venu de passer la relève. Promo 2022, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Le fanion du collège, porté par les délégués de la promo 2022, des hommes et des femmes pour et avec les autres, est remis aux délégués de première, représentés aussi par des délégués. À vous, chers élèves de première, d'assurer la relève et de porter toujours plus haut l'étendard et les couleurs du Collège Notre-Dame de Jamhour. Une photo souvenir. Vous pouvez encore les applaudir. Merci. J'invite le père Marek est déjà là. J'invite le président de l'amicale des anciens, monsieur Joe Saddi, à nous rejoindre. Toujours les délégués porte-parole de la promo avance avec le fanion de leur promo qui sera béni par le révérend père et par la suite remis à l'amicale des anciens en la personne de leur président. Seigneur, bénis ce fanion. Bénis chacun des membres de cette 69e promotion. Donne-leur d'entrer dans la vie avec courage et générosité pour être capables de participer à la construction et au renouveau du Liban dans les différentes professions qu'ils rempliront plus tard, dans la loyauté, avec une honnêteté sans faille et un dévouement sans limite. Qu'ils soient toujours des hommes et des femmes pour et avec les autres, selon les projets du Collège Notre-Dame de Jamhour. Amen. Désormais, promo 2022, vous faites partie de la grande famille du Collège Notre-Dame de Jamhour et des anciens de ce collège. Alors, le prix d'honneur qui est adressé chaque année aux élèves de la promotion sortante, a été institué en 1898 par l'Amicale. Il récompense chaque année les meilleures copies traitant d'un sujet à caractère social, politique, philosophique. Le sujet est typiquement proposé par les professeurs de philosophie
est sélectionné par le jury de l'Amicale. Le prix est censé récompenser non seulement la réflexion philosophique des candidats, mais aussi la maîtrise de la langue, l'expression, le niveau de culture, la richesse des références, l'originalité du texte, la logique suivie et le plan proposé. Les professeurs de philosophie, après les avoir corrigés, sélectionnent les 10 ou 20 meilleures copies qu'elles envoient au jury de l'Amicale, qui les revoit, les corrige et décerne les prix. Vous devez savoir que de très grands et célèbres francophones ont été lauréats du prix d'honneur à travers les années. Pour n'en citer que quelques-uns, Michel Chiha, Charles Khoury, Charles Korm, Edmond Rabat, Charles Hlo, Selim Abou et bien d'autres. Cette année, le prix d'honneur est doté d'une récompense de 10 millions de livres pour le premier prix, de 6 millions de livres pour le premier accessite et de 4 millions de livres pour le second accessite. Et je dois remercier Maître Alexandre Najjar et Maître Nabil Malat qui ont, eux, offert ces prix. Je voudrais également remercier le jury de l'Amicale qui était composé cette année de Maître Alexandre Najjar, Maître Nabil Malat, Maître Naoum Farah, Maître Nassib Chdid et Madame Tani Hajitou Mamhana. Alors pour 2022, les lauréats sont, en commençant par le second accessite, Mademoiselle Thérèse Alferali de la T4. Merci. Oui, d'accord. Le premier accessite est décerné à Monsieur Hassan Aboud de la T1. D'honneur à Mademoiselle Sarah Saur de la T1. Nous allons suivre ensemble sur écran des extraits des moments forts de l'année, des moments de joie, de la vie de tous les élèves de la promo 2022 au collège. Everything that you wanna say, we could say for another day. 'Cause I just can't get enough. You and I, I'm on a run. 'Cause I feel touch, it gets me high and lights me up. Coast to coast, got your savings in your denim coat.
Nous arrivons à la remise des diplômes qui couronnent votre parcours scolaire. Avant de procéder à la lecture des noms des diplômés de la promo 2022, je nomme et je félicite les trois premiers du diplôme du collège. Troisième prix, Paul Hoyek. Second prix, Anthony Sechon. Premier prix, Ghassan Aboud. Terminal 1, préparez-vous. Ghassan Aboud. Jean-Pierre Abislayman. Rawi Aboudib. Marc Aboujaoudé. Jad Abou Saada. Marc Abou Abdallah. Karl Arbid. Elise Baissare. Roy Baroudi. Clara Maria Billan. Joseph Boulos. Julien Boustani. Pierre-André Boustani. Ralph Chamillé. Nour Chaptini. Anthony Farhat. Maria Roche. Michel Hanna. Joey Hneine. Karl Kamal. Antoine Khoury. Shibel Roham Khoury. Yasmina Najem. Joseph Rouhana. Nicolas Saade. Sarah Saor. Adrien Salame. Ali Sanan. Alessandro Sayad. Shadi Wehbe. Samir Yaghi. Terminal 2, préparez-vous. Eli Aboujaoudé. Eugène Aoudé. Laetitia Bacha. Georges Basile. Marc Boulos. Christy Chivi. Karl Schweire. Kevin Drakebli. Edouard Jmeyel. Marc Germani. Clara Greyeb.
Yasmina Haddad. George Haykal. Karim Hsheime. Nicolas Irani. Nabil Jaber. Sharbel Jbeili. Roger Karam. Ralph Khairallah. Nicolas Khamis. Kimi Kneider. Romain Mallat. Chris Najjar. Carl Michel Nakhle. Dori Nassar. Van Don Carl Nguyen. Anthony Renault. Stéphanie Samaha. Andrew Sayah. Mark Sroor. Andrew Wehbe. Joseph Yari. Terminal 3, préparez-vous. Samer Aboud. Clara Aburjaili. Matteo Abu Sleiman. Jennifer Ashar. Gabriel Am. Marco Asseili. Adam Shab. Rudy Shehwan. Eli Ghanem. Sami Hsheime. Paul Hwayek. Shana Jazra. Joe Kamel. Nicolas Kamel. Marie-Claire Karam. Masoud Karam. Hayy al-jamahir ya Masoud, hayy. Nour Kassis. Brian Merge. Mia Matar. Yumna Matta. Nicolas Mouad. Ralph Nohra. Miriam Abed. Angela Saïd. Diane Tombé. Ryan Tannous. Michel Trad. Ralph Wakim. Jad Zed. Paul Zouen.
Terminal 4, avancez. Marc Abinader. Sarah Maria Azar. Andrew Buharib. Maria Bustani. Elias Abdallah. Teresa Ferrali. Mayel Hello. Noor Hmaymes. Sibel Ashoua. Christy Mata. Peter Mata. Marc Merhej. Rea Merhej. Michel Mawad. Emma Nader. Christina Nasser. Marita Raad. Patrick Raide. Giorgio Saliba. Joy Sauma. Naya Sarkis. Sherbel Sleilati. Leia Tchini. Christina Tikli. Hebel Khazel. Zahia Dian. Terminal 5. Tia Abinader. Sarah Abu Zaidan. Sarah Berashi. David Shaul. Gia Gosson. Selim Haber. Where is the casket, Selim? Sofia Habib. Melody Haj. Mark Hwayek. Miriam Karam. Yara Khalil Feghali. Miriam Lawandos. Tatiana Mansour. Eli Nader. Krista Maria Nassif. Steven Name. Michel Rizallah. Luc Sabar. Karen Sauma. Theo Tautel. Sofia Tutunji. Sasha Yari.
شرب اليزبك. Terminal 6, préparez-vous. Jennifer Abdallah. Yara Abu Jamra. Marco Aizarani. رشا عيزراني. ريبيكا عون. ألكسندر عطلة. ميريام بيسري. ألكسندر باسيل. Eli Basil. Luciana Baz. Ralph Dakash. Chris Darham. Carl Dib. Michel Aïd. Eli Jresh. Caroline Khoury. Karen Khoury. Emile Louis. Ralph Razou. Joseph Rizé. Paul Saad. Eliane Saade. Marianne Saade Rahme. Léa Serhal. Terminal 7. Maria Ad. Mark Abu Nader. Elias Athanasiades. Dimitri Basile. Aya Abu Habib. Dean Shayeb. George Cortas. Jenny Farah. Baptiste Rostine, Abi Nassif. Tia Haber. Dimitri Haber. Joseph Haddad. Sami Haddad. Sara Haj. Alexandre Hakimi. Joseph Khazen. Amin Khoury.
Stéphanie Iltef. Raphaël Matcourt. Théa Mishirkani. Alain Mouad. Georges Raad. David Raji. Marc Salha. Anthony Sukhon. Jean-Michel Talouzian. Edouard Tannouri. Andro Ziadé. Terminal 8. Hassan Abdallah. Serena Asmar. Georgie Chalhoub. Raja Shidia. Marita Costa. Magali Daou. Alexandre Fakhri. Daniel Ferrali. Nicolas Freyha. William Greyeb. Christina Haddad. Leana Haibe. Mohamed Harub. Guy Gildirian. Christy Khamis. Alexandre Khoury. George Quake. Paolo Lahoud. Joy Malouf. Aya Makari. Tracy Mansour. Charbel Manuel. Maurice Matar. Michel Pharaon. Sarah Raphaël. Estelle Richa. Angela Saad. Habib Salame. Yasmina Sarkis. Christia Slim. Tara Tamari. Joël Ziadé. Chiara Zouen. Terminal 9. Christy Abijaoude. Teresa Abirashed. Marianne Antoun.
Karen Assaf, Galine Atiye, Yara Maria Azar, Léa Chamas, Maria Cheblé, Emma Chab, Yasmine Fakhouri, Céline Jid, Chloé Jirji, Katrina Hatem, Tara Issa, Sasha Kaldani, Marijo Karam, Michael Layoun, Lucia Lutfi, Jimmy Majdalani, Emile Makhlouf, Myriam Matar, Sarim Awad, Sarah Mur, Ruti Ajayli, Ajayl, Joe Tanios, Pedro Trabulsi, Miriam Yazbek, Terminal 10, Rémi Abdelnour, Maria Asmar, Alexa Atalla, Léa Azzi, Gaël Chahouri, Nour Chdid, Alessia Shahab, Estelle Danayan, Joe Hashem, Marianne Hashem, Aya Haj, George Haj, Teresa Hindi, Elias Khamis, Thea Kordahi, Lynn Kirillos, Leana Lapin, Nay Layoun, Rita Manuel, Maïssa Moussi, Céline Nasrallah,
Thea Nassar. Christy Rad. Yasmin Arbez. Yasmina Salem. Marita Wehbi. Dans une année exceptionnelle, des décisions exceptionnelles. 5 de nos élèves qui ont dû quitter cette année le collège pour des raisons liées aux différentes crises sont parmi nous. Ils célèbrent avec leurs camarades la joie et la nostalgie du départ. J'invite Edouard Nour. Juliette Brahim. Maria Layoun. Maria Layoun. Maria Salem. Marc Hwayek. Mabrouk, les applaudissements. Mabrouk, encore une fois à la promo. Nous arrivons à la clôture de notre cérémonie. Un groupe d'élèves de la promo 2022 va présenter une danse en un temps très court. Ils ont pu répéter ici au collège pour clôturer notre cérémonie dans la joie. Ils ont été entraînés par un professeur de danse, M. Jean Hatti, de l'Académie Nameless, que nous saluons, et voilà, nous allons accueillir le groupe de danse de la promo. I'm begging you to put.
Bravo à ce groupe de danse et à tous les groupes de danse de la promo que nous saluons aussi. Bravo, merci. De nouveau, nous remercions l'Académie Nameless. Chers parents, félicitations à vous. Élèves de la promo 2022, félicitations, bonne route et bonne chance. Let's have a blast and remember this moment for the rest of our lives. Our lives. Our lives. Tonight. 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 Cause tonight's the night, am I right? Feels like an echo of party. My niche, so naughty. There's a knock on the door, it's the neighbors. Quick cut blocking, we're having a hoedown. You hose down, don't let me pull my hose out. Cause it's big, long, pink, strong. I'm in all the dance, like all night long. Grab my hand, play this song. DJ, save my life, come on. Leave your fear back off the wall. Free your beat and pussy pop. If you don't have a pussy, pop a cock into a boot tie. To a boot shop, yeah, yeah. And we danced, oh, and we cried, oh, and we laughed, oh, and we had a really, really, really good time. Oh, take my hand, oh, let's have a blast, oh, and remember this moment for the rest of our lives. Not. Encore une fois à vous, promo 2022. Nous clôturons notre cérémonie.